Pas claqué, c'est Lamine Sakho qui a été choisi en attaque aux côtés de Morera. Sakho, poison permanent, qui a enchanté les 40 000 spectateurs. On jouait d'ailleurs à guichet fermé au stade Félix Bollard. 9e minute, corner de Philippe Brunel, pied gauche forcément, la tête de Niarco à ras du poteau de Fabien Barthès. Alex Niarco qui évolue en milieu récupérateur avec Dacour dans l'axe. Blanchard et Brunel, animateurs de jeu, sont excentrés. Composition classique à Monaco. Monaco qui subit. Blanchard, Morera, Sakho qui remet à droite à Morera. Accélération de Morera. Nouvelle combinaison entre les deux hommes. La frappe de Morera, la parade de Barthès. Le gardien de l'équipe de France attentif sur cette frappe qui rappelle le but marqué par Daniel Morera en finale de Coupe de la Ligue contre Metz. Claude Puel crispé, on joue la 40e minute. Ballon de Blanchard pour Philippe Brunel, côté droit. C'est inhabituel, il est passé. Accélération de Brunel, le centre. Sakho a laissé passer, Morera qui ouvre la marque. 1-0 pour Lens à 5 minutes de la mi-temps. C'est logique, c'est mérité et c'est remarquablement joué de la part de Lamine Sakho qui laisse passer ce ballon et attire sur lui Contreras, le dernier défenseur. Morera est seul face à Barthès, intérieur du pied. 1-0 donc le score à la mi-temps. Seconde période, accrochage entre Galliardo et Dacour. Ballon vite joué par Galliardo, la tête de Simonet qui passe juste au-dessus de la transversale. Vous voyez la grosse colère de Guillaume Varmuse. Wagnoeloa retrouve un stade qu'il connaît bien pour y avoir fait l'essentiel de sa carrière. Mais c'est Julie qui reçoit ce ballon. Frappe de Julie, bloqué en deux temps par Guillaume Varmuse. Dernière occasion de cette rencontre. Monsieur Sars siffle la fin de ce match. Soulagement pour les Lensois. En revanche, côté monégasque, il y a de l'orage dans l'air. On est mal en place.